Mon rôle préféré? J'aime à dire que c'est le prochain. Tu vois, parce que j'ai eu une chance absolument phénoménale au niveau des rôles féminins. Mais récemment, ceux qui m'ont le plus bouleversée, ce sont les rôles d'Angels in America. Parce que je n'aurais jamais pu imaginer dans mon imaginaire de jeune fille que j'aurais pu un jour jouer un rabbin, ou un docteur, ou un général de l'armée soviétique. Et si tu veux, je trouve que le fait que Tony Kushner impose de son propre fait que l'actrice principale joue trois hommes et trois femmes, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Il a fait ça au début des années 80, et c'était vraiment gonflé, mais c'était, enfin, pour moi, je pense que c'est un très grand auteur. Donc, si tu veux, de passer d'un costume à l'un à l'autre, et puis avoir toujours sur le plateau ma petite loge, mon petit espace où je peux changer de robe, de perruque, de chapeau, de chaussures, de tout, j'ai adoré ça. Voilà. Je ne pense pas qu'on le reprendra parce que... Enfin, j'en sais rien, en fait, mais je ne crois pas. Mais il y a eu un film pour la télévision qui a été fait par Arnaud Desplechin lui-même. Donc, il y a des traces. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Vous étiez bien assis aujourd'hui? Non. Vous... Non. La galerie, c'est pas terrible. C'était pas terrible. Vous étiez où? En galerie. Ah, au poulailler, aux Enfants du Paradis. Mais c'est très, très bien pour les écrans. Aux Enfants du Paradis. Ah non, on voyait pas. Ah mince. En plus, il y a eu des petits soucis d'écran aujourd'hui. Alors tout le monde était très inquiet. Il y a une caméra qui s'est mal positionnée. On était tous très inquiets. Bon, mais je suis contente que vous soyez là. Alors, next one. Oui. J'espère l'avoir jusqu'à la fin de ma vie, hein, parce que le jour où je l'aurai plus, je pense que j'arrêterai de jouer. Oui, oui, bien sûr, le trac. Alors ça se manifeste avec des intensités différentes. Par exemple, le soir d'une première, j'ai beaucoup le trac. Un jour comme aujourd'hui, je l'ai aussi, mais un peu moins puisque j'ai déjà joué la pièce, tu vois. Mais c'est une sensation merveilleuse, le trac. Moi, j'adore ça. On a le cœur qui s'affole, on commence un peu à transpirer de la tête, on a des picotements dans les fesses. C'est un truc très physique, mais j'adore ça parce que ça fait battre le cœur. Et on a tous le trac. La personne, la directrice technique qui s'occupe du spectacle et des caméras, par exemple, elle m'a confié juste avant que le spectacle ne démarre qu'elle a un trac phénoménal. Quand on joue à 8h30, à partir de 8h15, c'est terrible. Tu vois, elle a peur de partout, elle a peur tout le temps. Et puis le spectacle commence et ça s'arrête. Et moi, quand le spectacle commence, une fois que je suis sur la scène, j'ai plus peur. La peur s'en va. Après, elle revient plus. Mais j'adore ça, le temps. J'adore. Tu sais, c'est des émotions très... C'est un métier où, en fait, on est... Le métier de comédienne, c'est un métier où on est très... comme une matière spongieuse. Donc, on absorbe beaucoup les émotions des autres. Ça nous aide, moi, ça m'aide énormément pendant les répétitions, parce que je vois un peu comment chacun fonctionne. Là, par exemple, aujourd'hui, à 14h, je peux te dire que toute la distribution avait le trac, mais pas tous au même moment, tu vois. Mais on l'a tous, c'est ça qui est bien dans cette maison. Il n'y a pas de... Dans cette comédie française, il n'y a pas de gens qui sont blasés, qui s'ennuient, qui n'ont pas envie de jouer. Je crois que tout le monde se rend compte qu'on a une chance phénoménale d'être ici. On est très, très privilégiés. Et je m'en rends compte tous les jours, vraiment. Ah, laquelle j'ai préféré travailler, tu veux dire? En fait... Quand on m'a proposé d'être au programme du bac, je vais répondre à ta question, hein, t'inquiète. Je me suis dit que c'était un tel honneur et c'était un tel bonheur qu'il fallait, moi, que j'offre quelque chose.
Alors on m'a dit, vous pouvez faire un petit prospectus qu'on donnera aux lycéens, un prospectus gratis. Moi, j'ai trouvé ça un peu triste quand même. Alors finalement, bon, c'est devenu un livre. Donc le début, je raconte ma vie, c'est moi qui l'ai écrit à la première personne. Et après, j'ai choisi trois pièces susceptibles de vous plaire, à vous les lycéens, à vous les terminales et les premières secondes, c'est-à-dire des pièces qui sont filmées pour qu'il y ait des images et des écrans. Voilà. Parce que je me suis dit, si tu ne proposes que le texte, ça ne passera plus. Parce que vous êtes une génération comme ça, vous êtes une génération d'écrans, de télé, d'ordi, de numérique, de machin et tout ça. Alors j'ai pensé à trois pièces, parce que je me suis dit, la première pièce, Le mariage de Figaro, c'est une pièce où je démarrais dans le métier. Donc si tu veux, le travail avec Jean-Pierre Vincent était passionnant. C'était la première fois qu'on confiait le rôle d'une jeune première, comique ou dramatique, on ne sait pas, parce que Suzanne, elle fait un peu tout. Mais en tout cas, qu'on me confiait un rôle aussi important du théâtre classique. Donc Beaumarchais, le 18e siècle. Je me suis dit, ça devrait leur plaire, parce que ça devrait s'appeler d'ailleurs Le mariage de Suzanne. Je dis ça à chaque fois. Parce que Le mariage de Figaro au 21e siècle, bon, c'est plutôt Le mariage de Suzanne, t'es d'accord? Après, surtout après le mouvement MeToo. Alors voilà. Et avec Jean-Pierre Vincent, ça a été 2 mois de répétition absolument merveilleuse, parce que c'était quelqu'un de très généreux, de très ludique, qui aimait beaucoup ses comédiens, qui était très proche d'eux, tu vois, c'était très... on était comme des copains, quoi. Moi, je ne le connaissais pas, mais j'ai eu le coup de foudre pour lui. Et on a répété comme ça, comme des fous, pendant 2 mois. Phèdre, c'était très différent, parce que c'était une tragédie. Donc, il ne pouvait pas y avoir ce climat-là. Et puis, j'avais choisi la jeune femme, donc la jeune fille, Suzanne. Après, je me suis dit, il faut choisir la femme mûre, la femme amoureuse. Donc, j'ai pris Phèdre, aussi parce que ça a été filmé. Et le travail avec Chéreau a été tout à fait exceptionnel. Il m'a dit, écoute, tu n'as jamais fait de tragédie classique, moi non plus. Donc, on va partir de notre ignorance à tous les deux. Et comme on ne sait rien là-dessus, ça va peut-être devenir notre atout. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Bon, moi, j'avais déjà dit des alexandrins, mais pas des alexandrins de Racine. Donc, on était un peu débutants, tu vois, dans la partie, tous les deux. Et c'est pareil, ça a été passionnant, parce qu'il faut incarner une passion amoureuse. Donc ça, évidemment, c'est très, très beau à jouer. La déclaration de Phèdre à Hippolyte... c'est une des plus belles choses au monde, quand même. Donc, on a très, très bien répété. Et puis, quand on s'est retrouvés dans cet espace immense, alors là, on a vraiment eu le trac. Parce que c'était un dispositif qui était bifrontal. C'est-à-dire que le public était des deux côtés comme ça. C'est comme une arène, en fait. Donc, il y avait des gens qui étaient aussi près que monsieur est près de moi. Et en même temps, il y avait des gens là-haut qu'il fallait aussi que j'atteigne, tu vois. Et pas que moi, hein, les autres aussi, bien sûr. Donc, physiquement, c'était un gros enjeu. On a joué pendant 5 à 6 mois. Moi, j'en suis tombée malade un an après. Mais c'était extraordinaire. Extraordinaire parce que on ne pensait pas que les gens allaient être aussi bouleversés par une tragédie contemporaine avec des vêtements contemporains. Et on a eu du public, on aurait pu la jouer pendant un an, en fait. Voilà. Et puis Angels in America, c'était avec un cinéaste, donc Arnaud Desplechin. Et Arnaud est quelqu'un de... qui a fait des films magnifiques. Peut-être vous en avez déjà vu. C'est quelqu'un de très modeste. Il est très humble. Donc quand on a commencé à répéter, je l'ai raconté dans le livre, il s'est couché par terre, comme un gamin. Tu sais, un gamin qui regarde les grands comme ça. Il était comme ça et il nous regardait par terre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait par terre là ? C'est bizarre quand même. Il nous a regardé par terre comme ça tout le temps où on est resté en salle de répétition. Et puis quand on est arrivé sur le plateau, non. Alors là, il a pris un fauteuil et puis il courait tout le temps parce qu'il montait sur le plateau pour nous diriger, tu vois. Mais je dois dire que ça a été, ces trois metteurs en scène, je ne les ai pas choisis au hasard. Ça a vraiment été trois grands... artistes.
Alors évidemment, Chéreau, si tu veux, il a réussi dans tous les domaines. Donc c'est un peu un artiste hors norme, parce qu'il a une œuvre au théâtre, il a une œuvre à l'opéra et il a aussi une œuvre au cinéma. Donc c'est tout à fait exceptionnel d'avoir rencontré quelqu'un comme ça. C'est une grande chance. On a travaillé ensemble à 6 reprises. Et à chaque fois, je me suis dit, j'ai une chance phénoménale. Voilà. C'est quelqu'un qui me manque beaucoup, parce que c'était aussi un ami. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'il est mort maintenant. Mais j'y pense très souvent. Et quand je suis sur scène, encore plus. Parce que je suis sûre, par exemple, qu'il serait venu voir Les Démons, tu vois. Et puis, au sortir des Démons, on serait allé boire un verre. Et il m'aurait tout de suite expliqué tout ce qu'il n'aimait pas. Tout de suite, des critiques, tout de suite des critiques. Puis après, il aurait dit le positif. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui me manque beaucoup. Comme, tu sais, quand tu perds un ami, c'est comme ça. Ah, pour ne pas... On s'est raflé la voix. Ah, c'est joli, rafler la voix. Écoute, je touche du bois. J'ai une voix, je ne suis jamais tombée malade. C'est hallucinant. La seule chose qui m'est arrivée, c'est qu'après avoir joué Phèdre pendant 6 mois, j'ai eu une extinction de voix, mais après, hein, j'ai eu une extinction de voix d'une semaine. Alors Chéreau m'a dit, dis donc toi, il te faut 100 de représentations pour te casser la voix, c'est extraordinaire. Mais je n'ai jamais eu de problème de voix. J'ai été fumeuse, j'arrête de fumer régulièrement, toutes les semaines, et j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème, donc j'ai vraiment beaucoup de chance. Et je m'en rends compte, parce que parfois j'ai joué dans des théâtres très très grands. Bon, là, tu as vu, on a un micro. Le metteur en scène a voulu qu'on ait un micro. Moi, je suis pas vraiment pour les micros. Je trouve que c'est dommage. Mais parfois, il y a des spectacles où ça s'impose. Et là, le décor des Démons et tout ce qu'il y a est tellement beau que finalement, avec ce micro, on rentre un peu dans l'intimité du personnage, tu vois. Mais je préfère, moi, jouer sans. Je trouve que c'est plus le théâtre, quoi. Voilà. Non. Non. Parce que si tu veux... Bon, en plus, ici, tu joues beaucoup de rôles, tu sais, en alternance. Donc tu joues, un jour tu joues une reine, le lendemain tu joues un esclave, tout petit rôle. Tu sais, il y a un phénomène comme ça. Quand tu rentres à la Comédie Française, on te propose des grands rôles, mais à la condition que tu acceptes aussi des tout petits. Donc, en fait, moi je ne peux jamais me lasser d'un personnage, parce que j'ai eu la chance de travailler avec ces artistes-là dont je parlais, notamment avec Chéreau. Chéreau m'a appris que d'une représentation en une autre représentation, tu ne cesses jamais de travailler. Tu ne cesses jamais de creuser ton sillon. Parce que tu veux t'approcher de la vérité. Donc, cet après-midi, j'ai tenté des choses que je n'ai pas fait la dernière fois. Et demain soir, je vais tenter autre chose. Et lundi, à 14h, je tenterai encore autre chose. C'est-à-dire que le travail de comédienne, si tu veux, ne va jamais s'arrêter. Mais le travail de comédien, c'est pareil. En fait, ça ne s'arrête jamais. Parce que le public est là, mais toi, tu continues à travailler. Tu ne peux pas te dire, bon, ok, le soir de la première, c'est bon, j'ai eu des bonnes critiques, tranquille, pépère. Non, tu ne peux pas te dire ça. C'est un métier qui est trop fragile, c'est un métier qui est trop précieux. Moi, je me suis trop battue pour arriver à le faire, ce métier. Tu vois ? Donc, quand ça arrive, il n'y a pas de lassitude. Il peut y avoir de la fatigue, oui, surtout ici, parce que on a quand même un rythme très fort. Donc, des fois, tu peux te dire, bon, je vais me prendre une petite vitamine C parce que ce soir, je n'ai pas trop la pêche. Mais autrement, il n'y a jamais de lassitude. Il ne peut pas y en avoir. J'ai répondu à ta question ? Chouette. Alors, je vais vous raconter, mais ça a été très difficile. Sans rire. Au bout d'un mois, moi, j'ai dit au metteur en scène, j'y arriverai pas, je suis trop vieille, je laisse tomber. Mais c'est très compliqué, en fait. Alors, ça se passe comme ça. D'abord, il faut savoir que Guy Cassiers, qui est un metteur en scène flamand, est un immense metteur en scène. Et c'est aussi quelqu'un qui ne travaille que dans l'empathie, c'est-à-dire que dans la gentillesse. La gentillesse avec les comédiens, la gentillesse avec les techniciens, règle d'or. Donc déjà, tu te sens très très bien, tu vois.
Et puis, on lit les scènes comme ça sur une table, bon, très bien. Et puis, après, on se met debout. Donc, on a appris le texte, on a un peu parlé des personnages. Et quand on arrive en répétition, il y a un truc un peu bizarre qu'il n'y avait pas avant, c'est que tout d'un coup, on a sur la scène trois couloirs avec des rubans fixes de couleur. Et donc, un, deux, trois. D'accord. Jusque-là, tout va bien. Alors, Guy me dit, bah, Dominique, tu prends le 1 et Didier, tu vas prendre le 3. Mais tu sors jamais du couloir. Ok, pas de problème. Donc, c'est facile, tu vois. En plus, c'est des couloirs qui sont perpendiculaires au plateau, le public est en face. Où est le changement? Et puis, ça va se gâter très vite. Parce que les couloirs, un jour on arrive en répétition, ils sont plus du tout comme ils étaient, ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont parallèles au public. Et tu dis, ah bon? Et en plus, ils sont plus rectangulaires, c'est des triangles. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, en fait? Et ça, c'est par rapport aux caméras. Et donc, si tu veux, c'est très impressionnant, parce que, heureusement que je connaissais mes partenaires, et Didier, je le connais depuis des lustres, c'est mon partenaire préféré. Mais quand on se retrouve tout d'un coup avec des triangles, et que mon partenaire est dans mon dos, et je lui dis, ça va Stéphane, comment tu te sens aujourd'hui? C'est terrible en fait, tu comprends pas du tout, tu vois. Alors tu te dis, je vais regarder les écrans, je vais comprendre beaucoup mieux. Pire, il ne faut pas regarder les écrans. Donc en fait, il faut se concentrer sur un couloir. Nous, au sol, on a des couloirs, donc avec des rubans fixes noirs que vous avez dû voir. Hein. Et puis au bout, il y a une caméra. Donc en fait, il y a une caméra à jardin et deux caméras à court. Si vous êtes le public, vous voyez. Donc, c'est pas facile du tout, en fait. À partir du moment où tu as compris le mécanisme et où tu le domines, pardon, ça devient évidemment très, très jouissif, tu vois, parce que c'est comme un jeu, en fait. Donc, tu te dis, bon, je parle comme s'il était là-bas et en fait, je sais très bien qu'il est dans mon dos. Mais c'est pas simple à intégrer, en fait. Et Didier, qui est arrivé, qui joue Stéphane et qui est arrivé et qui a remplacé Hervé, il a eu les mêmes difficultés que nous. Au début, il ne comprenait plus rien. Il disait, mais comment je vais faire? Je passe mon temps à jouer avec des gens dont j'ai le dos. J'ai jamais leur visage. Et petit à petit, ça se fait, mais bien sûr, il ne faut jamais regarder les écrans. Moi, je ne les regarde jamais. Tu vois? Et on se met d'accord sur des... Au début, on s'est même mis des petites croix en rubans fixes, tu vois, pour indiquer la direction du regard. En fait, je te... Voilà. Parce qu'en fait, je te parle là, je suis censée te parler comme si tu étais là, quoi. Donc, je vais mettre un rubans fixe là-bas. Voilà. Mais c'est très agréable. Alors, pour le public, je ne sais pas. Je sais pas pour vous, mais comment c'était pour vous? Hein? C'était chouette? C'était chouette. Après, c'était très perturbant. Ah ouais. Ah, je suis contente. Ah, alors, j'ai donc fait 2 années d'architecture, et puis après j'ai arrêté, je suis montée à Paris, et puis à Paris j'ai fait tous les petits boulots possibles pour gagner ma vie, parce que mes parents n'étaient pas tout à fait d'accord avec cette orientation, notamment mon petit papa que j'aime, n'était pas content du tout. Et ils pensaient que j'allais faire architecture, et je crois qu'en fait, si tu veux, c'était il y a longtemps aussi. Je pense qu'ils redoutaient que je sois dans la misère, tu vois, que ça marche pas, que le spectacle ne fonctionne pas, que je me retrouve à 40 balais dans une grande précarité ou dans une grande pauvreté. Voilà. Donc j'ai fait tous ces petits boulots, et puis j'ai eu une chance phénoménale. J'ai fait la classe libre de chez Florent la première année. Et là, j'ai eu 2 professeurs, dont un merveilleux qui s'appelait Pierre Roman, qui est mort maintenant. Et avec lui, ça a été une grande histoire d'amour. On était tous amoureux de lui, parce qu'il était merveilleux, ce Pierre Roman. Donc, les garçons comme les filles. Et on a monté un spectacle que Patrice Chéreau est venu voir. Et il m'a engagée, et ça a démarré comme ça. Mais avant, il y a eu beaucoup de galères, il y a eu beaucoup de rendez-vous qui ne marchaient pas, il y a eu beaucoup de rendez-vous avec la télévision qui ne marchait pas, des rendez-vous avec le cinéma qui ne marchaient pas, beaucoup d'échecs.
Et si j'ai écrit ce livre, donc je dois dire tout de suite que c'est un livre qui représente un certain prix, puisqu'il coûte 19 euros et quelques. Donc moi, je ne recommande pas aux élèves de l'acheter, je ne touche à rien là-dessus, hein. Je te mets à l'aise. Par contre, je demande aux professeurs de français d'en acheter peut-être au moins un, qui puisse tourner dans la classe, tu vois. Et puis après, quand je rencontre les lycéens, évidemment, je le dédicace s'ils en ont envie. Mais je n'oblige pas les gens à acheter ce livre. Et je l'ai fait, en fait, pour raconter toutes mes galères, parce que je ne connaissais personne dans ce métier, que c'est un métier, finalement, assez cloisonné. Le métier du théâtre, comme celui de la télé, comme celui du cinéma, sont des milieux qui sont très fermés. Et si tu connais personne, tu te dis, aïe, je ne vais jamais y arriver. Donc, j'ai raconté tout ça pour dire que, même si tu connais personne, si tu es suffisamment motivé, et si tu as suffisamment le niaque, tu peux y arriver. Alors, écoute, je vais t'étonner, mais l'alexandrin... Le texte de Racine, mais les alexandrins eux-mêmes, c'est plus facile à apprendre qu'un texte de prose de Marguerite Duras. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les alexandrins, il y a comme une musique que bien évidemment il ne faut pas garder, mais c'est beaucoup plus facile d'apprendre des alexandrins que des poèmes classiques, que du Corneille ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus simple en fait. Moi j'ai appris mon texte toute seule sur Phèdre. Mais depuis que je suis à la Comédie Française, j'apprends toujours mon texte avec quelqu'un, parce que, ben je le faisais déjà avant, parce que j'aime connaître le texte de mes partenaires, au théâtre comme au cinéma comme à la télévision. Et en plus, c'est très important pour moi d'entendre le texte de l'autre, parce que, évidemment, il va falloir que je connaisse le texte de l'autre en répétition. Et très souvent, ici, quand on arrive à la première répétition, on vous demande de savoir le texte dès le premier jour, dès la première heure. Donc, il faut déjà que toi, tu aies bossé, si tu veux, 2 mois avant, quoi. Et déjà que tu aies appris ton affaire toute seule ou avec quelqu'un. Et donc, ici, la mémoire est très sollicitée. Donc, des fois, je me dis que j'ai peur d'avoir Alzheimer, mais des fois, je me dis que ça risque pas d'arriver. C'est un peu les deux. Mais il faut une bonne mémoire, ouais, c'est sûr. Si t'as pas ça, laisse tomber, quoi. Non, non, vraiment. Tant mieux. Des rôles que j'ai regretté d'avoir faits ? Oui. Un. C'est pas beaucoup, hein. Au théâtre, hein, je parle. Au théâtre, c'était La Locandiera de Goldoni, qui est une très très belle pièce. Et j'étais avec un metteur en scène... avec lequel je ne me suis pas entendue du tout. Donc, comme on était intelligents tous les deux, on a décidé de baisser les armes et de travailler dans un relatif climat d'apaisement. Mais en fait, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup déçue parce que quand on s'est retrouvés sur le plateau, il n'avait rien préparé en amont, tu vois. Il n'avait pas fait son boulot de metteur en scène. Et ça, ça m'a tellement cueillie. Je me suis dit, mais c'est pas possible, comment on peut faire une chose pareille? Donc, j'ai beaucoup regretté d'être sur l'aventure. Et puis, la pièce est très belle. Elle était mal traduite, mais elle est très belle. Donc, auprès du public, elle a marché extrêmement bien. Donc, je l'ai fait 6 mois en tournée et 2 mois à Paris. Et puis, maintenant, j'ai tout oublié, c'est pas important. Mais j'ai plutôt fait des belles rencontres. J'ai eu beaucoup de chance. Je touche du coup. Alors, c'était très difficile. Parce que je ne connaissais absolument personne hormis Didier. C'est-à-dire, je connaissais les gens pour les avoir vus jouer, bien sûr. Mais si tu veux, je n'avais aucune intimité avec aucun. Donc, je me suis retrouvée dans une très grande solitude. Et je le raconte toujours parce que je pense que c'est important. Le premier rôle, c'était Agrippine dans Britannicus. Donc, à nouveau des alexandrins et à nouveau Racine. Et c'était pas le jour de la première, mais dans les premières représentations, alors que je n'avais jamais eu de trou de ma vie au théâtre, encore moins au cinéma et à la télévision, eh bien, au bout de la troisième ou quatrième représentation sur Britannicus, le trou
la première séquence, la première scène. Le public est là, à mes pieds, hein. Je suis juste au bord de la scène. Et Agrippine parle à sa suivante, et tout d'un coup, trop. J'ai paniqué. J'ai complètement paniqué. Ici, il n'y a plus de souffleur, hein. Il n'y a plus de souffleuse non plus, mais il y a toujours une assistante ou un assistant qui a la brochure et qui peut te souffler. Et je n'entends rien. Je me casse pas cette main. Rien entendu. Elle recommence, rien entendu. Ma suivante se rend compte que j'ai un problème. Elle s'approche de moi. Et elle me souffle tellement doucement que j'entends rien du tout. Elle me dit, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils ont, c'est pas possible. Donc finalement, pendant ce temps-là, le temps court. Moi, j'ai l'impression que ça va faire des minutes. Probablement que ça a fait 5 ou 6 secondes, pas plus. Donc je me suis dit, bon, tu n'es quand même pas née de la dernière pluie, donc d'abord tu vas te calmer, et puis la première chose, tu vas calmer ta respiration. C'est la première chose. Et après, il va y avoir un effet de pompe. C'est-à-dire que justement, avec les alexandrins, tu vas dire un alexandrin qui va forcément appeler le prochain. Tu vois ? Donc je me calme. Je retrouve un alexandrin en remontant mon texte, je le dis une fois, je le dis deux fois, je le dis trois fois, je me dis comme ça le public, s'il n'a pas compris que j'ai un trou, ben là il a bien compris que j'ai un trou. Et le texte revient et je fais toute la représentation. Et le lendemain matin, quand je reviens à la Comédie Française, toute la troupe était au courant. Et toute la troupe m'a dit, bienvenue au club, parce que nous ça nous arrive tous les soirs. Parce que, en fait, quand tu joues en alternance, un coup une tragédie, un coup une comédie, un coup un grand rôle, un coup... Enfin, tu vois, tu joues tous les soirs. Le week-end, tu joues le samedi à 14h, le soir à 20h30. Le dimanche, tu joues à 14h, le soir à 20h30. Si en plus, tu as une pièce au studio à 18h, tu vas jouer au studio. Enfin, c'est la folie, quoi. Donc, en fait, ils m'ont accueilli et ils m'ont dit, eh ben, on est drôlement content que tu sois là et on te souhaite la bienvenue. Voilà. Mais je suis quand même restée assez seule assez longtemps. Et finalement, ils ont décidé de me faire sociétaire, mais uniquement au bout de 8 ans. Tu imagines ? C'était l'année où j'allais partir. C'était l'année du Covid. Donc, on joue Angels 10 fois, paf, confinement. Alors, tous, le monde entier est confiné, hein. Donc, Eric Ruff décide de créer une télé web gratuite. Qu'on va mettre en marche tous les jours, gratuite dans le monde entier, tous les jours de 16h à 24h. Donc à partir de 16h, il y a des choses pour les enfants. Nous, on va dire des poèmes, on va faire plein de choses. Et on a fait ça tout le temps du confinement. Après, on a tourné Angels in America, on a tourné Guermantes, et puis on a repris Guermantes. Et l'année où j'allais partir, en fait... à la fin de l'année, Eric Ruff m'a téléphoné et il m'a dit, écoute, le comité a décidé de te proposer comme sociétaire. Donc, tu vas être convoqué dans une semaine par tous les sociétaires, qui sont à peu près 40. Ils vont tous voter. On va connaître le bilan du vote. Toi, tu vas te tenir dans la cantine, parce que tous les cafés étaient fermés avec le Covid. On viendra te chercher si tu as été... choisi. Alors, j'ai dit, mais tu sais, moi j'habite en banlieue, il faut que je prenne le train, le métro, tout ça. Est-ce que ça arrive des fois qu'on vienne pour rien ? Il m'a dit, ça n'est jamais arrivé. Bon, en même temps, tu te dis toujours, c'est sur moi que ça va tomber, tu vois ? Et puis non, j'ai vu arriver Clément Hervieux-Léger en courant comme ça, il m'a dit, écoute, toute la troupe a voté, et toute la troupe était au complet en plus, qui n'arrive jamais. Viens vite, viens vite. Alors je vais dans un autre salon là-bas, et quand j'arrive, tous les sociétaires sont debout, ils m'applaudissent comme des fous, mais comme c'est le Covid, ils ont des masques, donc on ne peut pas s'embrasser, tu vois. Alors on va donner des coups de coude, des coups de genoux, des coups de pied, pour dire bravo, 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 et j'ai été accueillie merveilleusement bien. Là, il faudrait plusieurs heures, donc... Je vais te faire une réponse courte. Écoute, quand j'avais 10 ans, j'étais metteur en scène et je mettais en scène mes copines dans
Les femmes savantes et les précieuses ridicules. À l'époque, j'étais metteuse en scène. Et puis, j'ai grandi, j'ai beaucoup changé. J'ai pris des cours de théâtre quand j'étais adolescente. Et là, ça a été déterminant parce que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus heureuse sur scène que dans la vie. Et puis, après, j'ai passé mon bac, j'ai fait architecture, tout ça. Puis quand je suis arrivée à Paris, moi, je viens de Lyon, quand je suis arrivée à Paris, dans ma tête, j'avais toujours ce rêve, tu vois. Et je me suis dit, quand même, il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Ça, c'est mon seul et unique conseil que je vous donne. Donc, je me suis dit, je vais essayer quand même. Donc, mes parents n'étaient pas au courant, évidemment. Donc, je me suis inscrite en cachette à l'école Florent. Voilà. Et ça a été un tel bonheur que j'ai continué. Et puis quand mon père m'a dit, bah écoute, tu te débrouilles, t'as qu'à payer tes cours, je suis devenue femme de ménage chez Florent. Et après, j'ai fait tout un tas de petits boulots, tu sais, des petits boulots vraiment pas terribles, quoi. Quand tu nettoies un chiotte à la turque tous les matins, puis qu'après tu dois passer sur scène, tu vois, c'est pas très simple. Les copains, ils sont pas très sympas dans ces cas-là. Voilà, mais je continue de penser que la vie est absolument merveilleuse sur un plateau. Et je continue de penser que j'y suis très heureuse. Qu'est-ce qui me plaît ? Le texte. D'abord, toujours, l'auteur. L'auteur ou l'autrice, hein, toujours. Il faut que ce soit quelqu'un de passionnant. Tu vois, ce spectacle, Les Démons, il existe en livre de poche. En livre de poche, c'est 3 livres de poche. Je ne peux pas vous conseiller de le lire parce que vous avez autre chose à faire, mais c'est passionnant. Alors, quand j'ai su que j'allais travailler sur ce spectacle, j'ai lu le roman. Et c'est passionnant parce qu'en fait, Dostoïevski, en 1870, il invente déjà le terrorisme. C'est ce que vous avez vu cet après-midi. Donc, c'est passionnant. Les auteurs et les autrices, pour moi, c'est essentiel. Et puis, après, ce qui compte aussi, c'est le metteur en scène ou la metteuse en scène. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui aime les acteurs ou les actrices, et les deux de préférence, et puis les partenaires, il faut que ce soit des gens que j'aime aussi, tu vois, des gens avec qui j'ai envie de jouer. Et par exemple Didier Sandre, qui joue Stéphane, je l'ai connu en 1980, tu imagines, ça fait vraiment longtemps. Et voilà, j'ai besoin d'être entourée de très bons partenaires. Et ici, je dois dire que c'est merveilleux. Parce que, si tu veux, il y a un niveau d'excellence qui est là depuis que Éric Ruff dirige le français. Ce qu'il fait depuis 11 ans est tout à fait exceptionnel. Il va partir en août 2025 et personne ne sait qui va le remplacer. Normalement, c'est le président de la République qui doit le remplacer ou la remplacer sur une proposition du ministre de la Culture. Notre ministre actuel étant Rachida Dati, on attend les propositions de Rachida Dati si elle est toujours ministre de la Culture, ce qui n'est pas sûr non plus. Voilà. Écoute, pour moi, le théâtre, c'est vraiment l'art qui réunit les vivants et les morts. Voilà. C'est un lieu de mémoire tellement précieux, le théâtre, qu'il permet de se rappeler régulièrement de gens qui sont morts. Tu vois, à l'Antiquité, les Euripides, Sophocle, tu vois, tous ces auteurs-là qui nous parviennent et qui nous parviennent encore et que l'on joue encore, je trouve ça magnifique, vraiment. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est l'art qui réconcilie les vivants et les morts, vraiment. J'ai répondu à ta question ? Alors, avec la lumière, si tu veux, la lumière au cinéma, c'est essentiel. Donc, en général, j'essaye d'avoir de très bons rapports avec le directeur de la photo. Comme ça, je sais que je serai très bien éclairée. Et au théâtre, j'ai toujours de très bons rapports avec l'éclairagiste. Toujours. Bon, en plus, c'est le métier de mon amoureux, donc je m'y intéresse. Toujours. La vidéo, il faut qu'on m'explique pourquoi il y a de la vidéo. Lorsque Guy Cassirs nous a expliqué pourquoi il y avait des écrans, ça m'a paru évident qu'il en fallait, tu vois.
Si je travaille avec Ivo Vanov et que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec les écrans et que tout d'un coup il décide dans Tartuffe qu'il n'y aura pas d'écran, je vais lui demander pourquoi il n'y aura pas d'écran. Mais je vais toujours m'engager par rapport à ça. Les micros, bah, j'en ai parlé, donc moi je crois que c'est une mode actuellement qui est une mode qui ne durera pas forcément. Rien ne remplace la voix et la respiration d'un acteur, ça c'est évident. Et au niveau technique, qui tu m'as dit encore ? Bah, c'était un peu tout ça. En général. Moi, j'ai toujours des très bons rapports avec les techniciens parce qu'ils sont derrière le rideau. Ils sont avec nous, toujours. Là, par exemple, sur les démos, ils ont beaucoup de choses à faire avec le décor, avec les écrans, avec tout ça. Et pour qu'il y ait une bonne ambiance dans une pièce, sur une pièce, il faut qu'il y ait une bonne ambiance entre les comédiens et la technique. Absolument. Il faut qu'il y ait une totale sympathie. Sinon, il va y avoir un climat qui va se détériorer et ça ne sera pas agréable. Aujourd'hui, il y a eu un problème. Je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu. Il y a une caméra qui a un peu bougé et il y a un écran qui n'était pas très bien. Donc, on était tous malheureux, en fait. Tous les comédiens et tous les techniciens. On s'est tous dit, merde, alors, il faut que le spectacle soit aussi beau que d'habitude. Tu vois ? Mais c'est très... oui, c'est vraiment solidaire. C'est très important. Et moi, j'ai toujours eu ça aussi parce que j'ai démarré avec Chéreau sur une pièce qui s'appelait Pergunte et que Chéreau avait toujours beaucoup, beaucoup de respect pour les techniciens. Parce que c'est un très beau métier aussi quand tu es en coulisses. Mais finalement, il faut autant d'amour que quand tu es sur place. Tu vois ? Que je rêverais de jouer ? Non. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je n'ai pas de... je ne me dis pas... un jour, je rêverais de jouer la Traviata, la Dame aux Camélias, enfin, tu vois, des choses comme ça. Non. J'ai toujours procédé différemment. Mais par contre, j'ai très envie de jouer avec certains metteurs en scène. Tu vois ? Donc, là, actuellement... en France ou dans la troupe, il y a beaucoup de gens avec qui j'aimerais beaucoup travailler. Mais j'ai toujours procédé comme ça. Je préfère la mise en scène plutôt que un rôle. Et ça m'a porté chance parce que, tu vois, j'aurais jamais pu imaginer qu'à plus de 60 ans, un réalisateur de cinéma vienne me voir pour me proposer le rôle d'un rabbin. Jamais j'aurais pu inventer une chose pareille, tu vois. Je préfère faire comme ça. Et pour le moment, ça me réussit bien. Ah, alors les écrans, Guy Cassirs est un... Il faut regarder sur Internet hein, tout ce qu'il fait, tous ses spectacles. C'est un metteur en scène qui a été formé à l'école d'Anvers, qui est une grande école d'art, où a été formé aussi Ivo Vanov. Et je pense que, si tu veux, il porte très haut le spectateur. C'est pratiquement un engagement politique, ce que je te dis, et ce qu'il dit lui surtout. Hein. C'est-à-dire que le spectateur, où qu'il soit, là-haut, en bas, au milieu, en bas, doit pouvoir faire son spectacle lui-même. Il doit pouvoir faire son montage lui-même, comme s'il était metteur en scène de cinéma, finalement, comme s'il était cinéaste, tu vois. Donc, ça démarre par quoi ? Ça démarre par deux femmes qui se parlent. A priori, le public, dès qu'il y a une image, dès qu'il y a un écran, le public, il va vers l'écran. Pourquoi ? Quel que soit son âge, parce qu'il est attiré par la lumière. Tu vois ? Donc, le spectacle commence, vous avez vu qu'on applaudit l'orchestre. Est-ce que vous avez cru au début que c'était un vrai orchestre ? Et il y a des gens qui ont cru, puisqu'il y a des gens qui ont applaudi. Le miracle de l'écran. Évidemment, c'est un faux orchestre. Et donc on voit ces deux femmes, alors au début on les voit assez rapprochées, donc on les voit comme ça en costume, mais on va vers l'écran qui nous montre le gros plan, parce que c'est ça qui nous intéresse, tu vois. Et puis après tu vas à un autre écran, puis après tu reviens en bas, puis après il y a un moment il n'y a plus d'écran, puis etc, etc. Donc en fait, là où je trouve que c'est bigrement intelligent, c'est qu'il fait exactement comme si vous étiez, vous, lycéen, lycéenne, comme si vous étiez cinéaste. Vous vous faites un film. Ce film, c'est Les Démons.
Vous regardez le début de l'histoire et après, vous allez piocher tout ce que vous voulez pour suivre l'histoire. Et je trouve ça génial. Parce que l'histoire est très compliquée. Tu vois ? Avec tous ces noms russes, c'est très compliqué. Comment est-ce qu'on s'y retrouve ? Comment... Bon, alors si on a le programme, ça va, on s'y retrouve un petit peu. Mais autrement, au début, on ne vous en a pas parlé des démons avant ? Pas du tout ? Ah ouais, d'accord. Ouais. Alors évidemment, là, c'est un peu compliqué. On ne vous a même pas raconté le pitch, comme on dit ? Hein ? Ah ouais, d'accord. Oui, alors évidemment, vous n'avez peut-être pas pu apprécier tout ça. Mais en tout cas, le point de vue de Guy, si tu veux, c'est qu'à partir du moment où tu as une certaine connaissance d'une certaine Russie, et peut-être un peu de Dostoïevski, pour te plonger dans cet univers, c'est toi qui vas te faire ton film. Et quand tu vas te coucher ce soir, avant de t'endormir, probablement que des images vont te revenir. Donc, des écrans. Mais aussi de ce qui n'était pas dans les écrans, tu vois ? Et aussi de textes, aussi de scènes. Peut-être que tu vas te rappeler du grand incendie à la fin. Peut-être que tu vas te rappeler qu'il y a quelqu'un qui est mort sur scène quand même. Ce pauvre Tchatov qui n'avait rien demandé, tu vois ? Et puis Lisa Tuchina aussi, qui va être battue à mort par la foule. Enfin, tu vois, tout ça, c'est des images très fortes. Et je suis sûre que ce soir, dans ton lit, tu vas avoir des images qui vont te revenir. Et aussi, plus tard, vous verrez, vous ne pouvez pas m'écrire, mais si, vous pouvez toujours m'écrire à la Comédie Française, et je vous répondrai. Mais je suis sûre que dans quelques jours et dans quelques semaines, vous allez avoir des flashs qui vont vous revenir. C'est sûr. Soit les écrans, soit les personnages, soit l'histoire, soit les costumes, soit le décor. J'en suis sûre. Vous m'écrivez, vous me direz. Ça marche ? Écoute, alors j'ai un conseil que je donne à tout le monde parce que je crois qu'il est dans le livre, mais je ne me rappelle plus. C'est un aphorisme. Donc un aphorisme, c'est quoi ? C'est un petit poème très court d'un grand poète qui est mort maintenant, mais un grand résistant du XXe siècle qui s'appelle René Char. C'est un poème que j'ai connu il y a un certain temps et il m'accompagne toute ma vie maintenant. Donc, vous le connaissez déjà ? Il n'est pas dans le livre. Il n'est pas dans le livre ? Ah, génial. Alors, impose ta chance, serre ton bonheur. Enfin, impose ta chance, virgule. Serre ton bonheur, virgule. Et va vers ton risque, virgule, à te regarder, ils, entre guillemets, s'habitueront. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la vie, il faut toujours aller vers l'inconnu. C'est l'inconnu qui va t'apprendre le plus de choses et c'est l'inconnu qui est passionnant. Alors si tout d'un coup, en rentrant chez toi ce week-end, tu dis à tes parents « Oui, ben moi j'ai décidé, je veux devenir comédienne », à mon avis, ils ne vont pas être très contents. Mais bon, après, ça sera ton histoire avec tes parents. Mais ce qui est important, c'est d'aller toujours vers l'inconnu. Et en fait, cet aphorisme, je le disais dans un spectacle, et on m'a beaucoup demandé à la radio, dans les médias, tout ça, de le dire. Et je me suis complètement trompée, et je l'ai arrangé à ma façon. Ça donnait ceci. Impose ta chance, virgule. Serre ton courage, virgule, et va vers ton risque, virgule, ils, entre guillemets, s'habitueront. C'est-à-dire que je voulais dire que comme c'était très difficile d'être dans ce métier, mon courage, il fallait que je me serre avec mon courage. Et la femme du poète, qui s'appelle Marie-Claude Char, qui est toujours en vie, et qui est une copine, hein, enfin qui est une grande amie maintenant, m'a téléphoné un jour pour me dire « Dominique, tu n'arrêtes pas de dire des choses à la radio, c'est très gentil, mais tu te trompes d'aphorisme. Parce que c'est pas « serre ton courage », c'est « serre ton bonheur ». Ça change tout. Voilà. Donc, si tu as des profs qui veulent te l'écrire ou si tu peux le retrouver, voilà. Moi, c'est mon poème porte-chance. C'est mon poème porte-bonheur. Ça vaut tous les scarabées du monde.
Ça m'a accompagnée depuis des années. Et quand j'ai plus de courage ou quand j'ai pas le moral, parce que évidemment qu'il y a des jours aussi où on n'a pas le moral et on est très triste et parfois un peu désespéré et on ne sait pas auprès de qui se recharger finalement. Et bien, il faut toujours se recharger auprès des poètes, tu vois, auprès des poètes ou auprès des poétesses. C'est pour ça que je disais, moi, ce qui m'intéresse dans ce métier, ce sont les auteurs et les autrices. Parce que c'est eux qui nous font rêver. Et c'est eux qui vont nous consoler, forcément. J'ai répondu à la question ? Oui. Super. Non. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Pour tout te dire, j'ai fait beaucoup de cinéma et j'ai eu beaucoup de prix au cinéma. Il n'est jamais allé voir mes films. Voilà. Je crois que ça lui faisait trop de chagrin. Il ne comprenait pas pourquoi j'avais choisi ça. Parce qu'il voulait tellement que je sois architecte. Jusqu'au bout de sa vie. Et puis, quand il a été très très vieux, peut-être 3 mois avant de mourir, on s'est disputé et puis il s'est mis à pleurer. Alors je l'ai pris dans mes bras, puis je l'ai serré très fort et je lui ai pardonné. Parce qu'il faut pardonner dans ces cas-là. Il n'y a plus que ça à faire. Vous travaillez là-dessus ? Mais c'est génial ! Alors écoute, c'était merveilleux. J'ai rencontré Patrice Chéreau. Il y a une comédienne qui venait de lui claquer entre les doigts. Il cherchait quelqu'un pour faire toute une galerie de tout petits rôles. Je me suis retrouvée avec 20-25 comédiens qui étaient les meilleurs comédiens du moment. Donc je faisais une jeune fille dans la noce. Vous êtes sur la pièce en ce moment ? C'est ça ? Donc, une jeune fille dans la noce. Donc, tu vois, il y avait une scène de groupe, je jouais une jeune fille. T'es dans la noce ? Tout le monde est dans la noce, bravo. Après, je jouais une jeune fille, une jeune fille qui rencontre Père Gunt après les trolls et qui essaye de le violer. Ça, c'était le rôle le plus dur. Après, j'ai joué une jeune fille arabe quand il est en Égypte. Après, j'ai joué un troll, bien sûr. J'avais un masque monstrueux. J'avais pas de bouche. Ils avaient décidé de m'enlever ma bouche, tu vois. Donc, j'avais un masque avec des yeux énormes, évidemment, vu mes yeux. Et puis, comme j'étais très intimidée par tout le monde, je parlais jamais. Donc, ils m'avaient enlevé ma bouche. C'était un truc monstrueux. Et puis, je faisais aussi quelques villageois à la fin de la pièce. Mais c'était que des petits rôles, hein, tu vois. J'avais pas beaucoup de texte. Mais ce qui était merveilleux, c'est que pendant un an, j'ai regardé travailler les plus grands comédiens de ce moment-là. Et ça, pendant un an, ça a été vraiment ma formation. Ça a été ce que j'ai appelé l'école du regard. Parce que quand tu regardes des comédiens répétés, tu vois, qui répètent tous les jours de 14h à 18h et le soir de 20h à 24h, non-stop, 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 que parfois, Chéreau passe 3 heures sur une scène, pour arriver à trouver le sens de la scène. Ben, c'est merveilleux, c'est la plus belle des écoles. Parce que j'ai raté tous les autres concours. Le conservatoire, la rue Blanche, tout ça, j'ai tout raté. Donc, j'allais absolument abandonner. Et puis finalement, j'ai pas abandonné grâce à mon frère aîné. On est 5 enfants, j'ai 3 frères. Et mon frère aîné, dès qu'il m'a vu jouer, il m'a dit « Fonce ». Alors voilà, pour ceux et celles qui un jour voudraient peut-être devenir comédien, comédienne, je leur dis à tous, fonce, impose ta chance, etc. Évidemment. Alors d'abord, je vous recommande le prix Nobel de littérature qui est paru en livre de poche, qui est une femme exceptionnelle, qui a maintenant plus de 80 ans, qui s'appelle Annie Ernaux. Achetez ces livres, très courts, très concis et merveilleux. Ça, c'est mon premier conseil. Mais vous savez qu'en ce moment, il y a plein d'autrices, il y a plein de comédiennes qui deviennent comédiennes, autrices, metteuses en scène. Et ça, c'est énorme. Et Eric Ruff les a beaucoup aidées et il les aide encore beaucoup en leur confiant des mises en scène au Vieux Colombier. Et qu'est-ce que vous m'avez demandé d'autre ? Metteuse en scène. Ah oui, alors metteuse en scène, je vous conseille beaucoup Julie Deliquet, qui dirige le TGP à Saint-Denis.
et qui nous a dirigés ici à la Comédie Française dans une adaptation d'Oncle Vania de Tchekhov, qui est une femme absolument exceptionnelle, Julie Deliquet. Elle est comédienne, elle est metteuse en scène, elle est autrice. Maintenant, elle dirige une compagnie et en plus, elle dirige un théâtre. Girl power. Voilà, j'espère que j'ai répondu grosso modo. Un immense merci. Vous savez, alors depuis que j'ai ce statut au programme du bac, je rencontre évidemment beaucoup de lycéens hein, parce que j'adore ça. Et moi, je leur ai dit, dès le début, il faut que j'aille sur le terrain. Donc, je vais sur le terrain où je fais venir les lycéens au théâtre. Parce qu'il y a beaucoup de lycéens qui ne sont jamais entrés dans un théâtre de leur vie. Et quand j'ai vos questions, je peux vous dire que j'apprends sur moi-même et sur vous certainement autant que vous apprenez sur nous. Parce que vous avez des questions qui sont d'une intelligence, qui sont d'une précision formidable que la plupart des médias n'ont pas. Vous voyez ce que je veux dire hein? Donc voilà, c'est moi qui vous remercie à mon tour. Et je vous dis et vous savez comment on dit merde? Oui, alors en Allemagne on dit toi 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 et on crache par-dessus une épaule. Et est-ce que vous savez comment on dit merde en grec? Non? Skata, skata. Scata. Scatologique, vous voyez? Oui, oui, ouais, c'est la matière, ouais, c'est le caca. C'est comme merde. C'est pareil. Alors, je vous dis scata, scata, scata. Pour le bac. Oh, mais vous allez la voir.